Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma thèse et participer à cette activité. Et cela me rend très heureux parce que il n'y a que 180 secondes pour présenter la thèse de trois ans, le travail de 3 ans. Et aussi, c'est plus difficile pour moi, étranger qui maîtrise pas très bien le français, mais on me conseille, oui, 20 secondes dépassées. Le sujet de ma thèse est sur la pile à combustible. Mais qu'est-ce que c'est la pile à combustible? J'ai cherché sur la Wikipédia. Il a une définition sur la pile à combustible. C'est une pile dans laquelle la fabrication d'électricité est par la réaction anode et cathode aussi. Donc, c'est-à-dire on peut obtenir électricité efficace par cette pile. Et aussi, comparer le moteur de. Moteur de pardon. Moteur à combustion interne, il consomme de carburant pleinement, donc il y a nombre d'avantages. Par exemple, moins de pollution, moins de bruit et plus de rendement. Il est employé dans plusieurs domaines. Par exemple, le central électrique, le moteur de la voiture et le portable. Pouvez-vous imaginer qu'un jour on peut charger le portable d'électricité avec une bouteille de vodka ça c'est. Mais il y a un schéma de pile à combustible. On peut voir qu'il y a des anodes et cathodes et électrolytes. Et l'électrolyte joue un rôle très important pour transporter les ions oxygène. Pour ma thèse, j'ai cherché sur l'électrolyte pour chercher la méthode de synthèse et aussi la caractérisation pour obtenir des électrolytes bons pour performance et la phase pure. OK, c'est tout. Merci.